we are a new team. We didn't expect to be here already. It is definitely TSM's chance of redemption. 사람들이 저희 쪽보고 좀 어렵다고 많이 평가하더라고요. 근데 그 평가가 저희 팀이 있어서이기 때문에 我觉得会压力其实挺大的，因为挺多人都会看着我们是小组第一嘛。 저희들이 가야 되는 목표는 여기 있고 저희는 딱 이 바로 앞에 있는데 저희가 엄청나게 큰 문제를 해결해야 되는 건 아니에요. 딱 이번이 마지막이라고 생각하고 도전을 했는데 이뤄져서 너무 좋아요. 我们队伍的粉丝们都希望我们队伍在这比赛取得冠军. Qualifying for Worlds was the biggest goal we had for this year, and we did it. We just want to perform for our teammates. We don't want to perform for anything else. The hometown heroes strike first blood. Cloud9, they will take down the number one team from the LMS. Death gets himself 3 kills in 4 minutes. J'espère que vous êtes chaud! Encore 7 jours de bonheur, 7 jours de compétition. Et hier déjà, Chips, que d'émotion! Effectivement, on a eu voilà, les 6 premiers matchs de cette compétition, de cet apogée de la saison 5. Et on continue aujourd'hui, Noah, puisqu'on n'a pas encore pu apprécier de confrontation du groupe D. Alors voilà, on vous envoie pas mal d'images des backstage, la coupe de l'invocateur. On croise énormément de joueurs. Tout le monde a l'air particulièrement bien préparé. Et nous aussi, on est très heureux de vous recevoir. Encore, allez, pour le plaisir, un petit cri de bienvenue, s'il vous plaît, public parisien. Dans la bonne humeur, est-ce qu'on se ferait pas une petite hola en partant du premier rang là tout de suite maintenant? Vous connaissez la règle, on commence tout de suite. Oh, merci. Commencez la journée dans la bonne humeur. Et un dernier, le fameux tremblement de terre, on veut entendre vos pieds qui claquent et vos mains, et vos mains. C'est important. Ça nous fait plaisir. C'est un petit tremblement de terre. Avec ça, voilà, ça fait pas tomber de briques à une cheminée. Vous pouvez faire mieux. C'est sûr. Essayez de faire mieux pour voir. Allez, encore, 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 encore. On peut faire mieux encore. On aura le temps de s'améliorer, mais bien. C'est déjà un très bon début. C'était très bien, Noah. Et donc, cette deuxième journée. Alors, hier, on a vu pas mal de choses. Pour récapituler, voilà, les Fnatic l'ont emporté contre les Invictus Gaming notamment, les Cloud9 l'ont emporté contre les ASU, le groupe B a été le groupe de l'Ouest, si je puis dire les choses ainsi, c'est-à-dire que vraiment, voilà, Fnatic, je m'y attendais, mais Cloud9, j'avoue que, voilà, honnêtement, pronostiquer une victoire contre ASU, qui était présenté par beaucoup comme étant peut-être le trouble-fête numéro 1 dans la bataille entre Invictus Gaming et Fnatic, voilà, ça a un peu redistribué les cartes dans ce groupe B, et du coup, je suis impatient de voir Cloud9 jouer de nouveau pour, pour voir ce qu'ils ont encore en réserve, parce que c'est sûr, c'est une équipe qui a toujours une énorme préparation, donc tactiquement, ils vont être au point, je pense, et on revoit justement donc ces games d'hier avec cette fameuse partie des Cloud9 et cette défaite des ASU. ASU qui était parti sur une draft très offensive avec beaucoup d'assassins, beaucoup de pick-up. Les Cloud9 les ont empêchés de mettre en place leur plan de jeu et surtout ils ont été bien aidés par Mountain qui a lâché quelques ulti Rengar un peu douteuses qui a complètement détruit le rythme de son équipe en à fait. À la compo, ils se sont fait contrer et le Veigar, et c'était Incarnation qui disait quoi qu'il arrive, je prendrai un Veigar mid, quels que soient les picks en face, je prendrai un Veigar mid et il a été très très bien inspiré. Effectivement un groupe B plein de surprises, un groupe C
avec moins de surprises, voilà, le groupe des géants, le groupe des dieux, SKT T1 et Edward Gaming arracheront des victoires assez faciles au H2K et au Bangkok Titans. On n'a toujours pas de rencontre entre ces deux grandes équipes, ce sera demain pour le premier match de la journée. Aujourd'hui, ce seront les SKT T1 qui joueront contre les Bangkok Titans, mais ce n'est pas encore le sujet. Et finalement, surtout, le groupe A, le groupe A qui est extrêmement intéressant, effectivement, avec Pain Gaming contre Koo Tiger. Victoire des Koo Tigers. Pain Gaming a vraiment au début on y a cru, c'est-à-dire qu'il y a eu un level 1 notamment où ils arrachent 2 kills, ils en concèdent un, on se dit ok ça part bien, les 5 premières minutes se déroulent pas mal, noix. Puis là en fin d'early game, Gorilla a décidé de bouger avec Ojin et on a senti tout le talent en fait bien de ces joueurs coréens, notamment Gorilla qui a été impressionnant. Et malheureusement pour les Pain Gaming, et bien voilà, la partie a été pliée à partir du moment où Gorilla a décidé de prendre ses responsabilités. Puis il y a eu CLG contre les Flash Wolves, enfin, le match s'est joué avant. Une autre bonne surprise alors. Les Flash Wolves ne s'imposent pas, les CLG quand même se font balloter en tout début de partie. Voilà, c'est un early vraiment difficile, on a eu peur pour eux, mais à la fin, le talent de la duo lane, notamment de Double Lift, a réussi à faire une énorme différence. Les deux équipes ont montré quand même des capacités à faire des erreurs, mais aussi à proposer de très bonnes choses. Je pense qu'il faut régler le tir quand même, parce que contre Koo Tigers, que ce soit pour CLG ou pour les Flash Wolves, des Flash Wolves qui affrontent les Koo Tigers aujourd'hui d'ailleurs. C'est ça. Enfin voilà, si tu fais des erreurs contre une équipe comme les Koo Tigers, vu ce qu'ils ont montré hier, je pense honnêtement que tu n'as pas beaucoup de chances de l'emporter. Donc il faut fixer ça, Noah. Mais en tout cas, CLG, ce qu'on peut retenir, c'est qu'il y a un gros mental, parce qu'ils sont quand même revenus d'un déficit de 5-6K gold, ce qui n'est pas rien honnêtement. Mais on a pu croiser beaucoup de joueurs, on a pu parler à beaucoup de joueurs, et généralement à peu près tout le monde se dit que ils n'ont pas encore livré le meilleur d'eux-mêmes. Voilà, on a pu voir des gens eh bien, qu'on attendait très fort, être encore plus forts qu'on les attendait. On pense à Fabiven, hein, une excellentissime performance des Fnatic qui ont complètement bluffé le public au Dog Pullman. Voilà, les résultats de ces groupes que l'on vient de vous décrire. On en parlait. Qu'est-ce que ça vous fait de voir Fnatic comme ça en tête du groupe B? Forcément. Et on va voir ce que va faire Origène aujourd'hui. Origène, effectivement, Origène qui va avoir à affronter eh bien, le géant de ce groupe D, malheureusement. Origène contre LGD. Ben, pour moi, ça va être vraiment super intéressant. Je mets quand même. Et tout de suite, une petite vidéo sur TSM. Ah! En fait, non. Le programme de la journée. Mais avec une entrée avec TSM. Un petit casté roster TSM pour commencer cette journée. Le match est sympa. Un très beau match. Le match est sympa. Un duel de légende au top. Dairus contre Someday. Oui, avec quand même, je pense, un Dairus qui va être en difficulté contre Someday. On va pas mal en parler de ce match. Il y a beaucoup de choses à dire. TSM ne part clairement pas favori. Mais ce n'est pas une équipe à sous-estimer, Noah, parce que voilà, ils ont cette capacité quand même, après les 30-35 minutes de jeu, à briller en équipe. Ils ont beaucoup d'expérience, leur shot call peut être très bon. Leur gros problème, c'est leur lit en général. Leur lit où les très grosses équipes appuient là où ça fait mal. On détruit Dairus, on contrôle Bjergsen et on empêche vraiment les TSM d'arriver à leur temps fort, c'est-à-dire la fin de mid-game et le late-game. Sachant que Katie Rolster est une équipe, c'est leur spécialité, très agressive, à partir de là, on peut construire un raisonnement où effectivement TSM semble plutôt en ballotage très défavorable. Mais ils ont préparé des choses. Il y a eu beaucoup de bruit de couloir sur leurs éventuelles performances au bootcamp coréen. Pour continuer avec le planning, ensuite on aura LGD contre Origène. Ensuite il y aura ce fameux match SKT T1 contre Bangkok Titans. On enchaînera avec H2K contre Edward Gaming. Ensuite les Flash Wolves contre les Koo Tiger Chips. Et pour finir, CLG Pain Gaming, qui est un match qui moi m'intéresse énormément, parce que je pense vraiment que l'on pourrait avoir une équipe wildcard extrêmement surprenante. Ouais, y a possibilité, Noah, ça c'est sûr. Donc voilà, Katie Rolster TSM, le premier match de la journée. Seed 2 américain contre le seed 3 coréen. Un gros match, mais encore une fois, on le placerait plutôt en faveur de Katie Rolster. On va voir si les TSM, j'en parlais, il y a eu beaucoup de bruit de couloir. Certains disent TSM, ils sont très forts, d'autres
qui disent non, en fait, TSM, on veut pas scrim contre eux, on perd notre temps. On a vu à peu près de tout passer. Info, intox, on sait pas trop. Justement, la vérité du terrain va parler et on va pouvoir constater de nos yeux si TSM est capable de déjouer les pronostics. Parce que en général, tout le monde les met derniers de ce groupe D. Mais il y a le géant Birkson, le team Solomid, et on va voir ça Birkson tout de suite. TSM이 지금 보여주고 있는 것보다는 훨씬 더 잘하는 팀이고 IM 이후로 저희들이 되게 스포트라이트를 되게 많이 받고 되게 많은 주목을 받았는데 그 이후로 저희들이 되게 소극적으로 플레이하기 시작한 것 같아요. 소극적으로 플레이하고 어떻게든 빨리 이기고 더 멋있게 이기는 게 아니라 어떻게든 그냥 지지 않는 방법으로 그런 방법으로 플레이 스타일이 변해갔고 In League of Legends, you have to constantly be putting in your best effort all the time. When you put like 90% or 80%, that's when you start getting complacent. Professional League of Legends has come to Florida. And this week, they will do battle in the first ever mid-season invitational. 27 kills in 25 minutes for EDG. Another kind of puzzling game from TSM. 그 MSI 이후로 저희들 플레이스타일을 바꾸려고 했지만 이미 너무 저희 플레이스타일은 이쪽에 있고 다른 나라 플레이스타일은 이쪽에 있어가지고 There's going to be a ton of questions raised back in North America and within the TSM camps about why this tournament went so poorly. For our summer split, we had a really poor showing. I think we overall played really poorly. Andy had to come in, he had to start giving us a push. When Andy steps in and Andy helps out, everyone takes it a bit more seriously. There's a lot more pressure on it. And playing versus CLG at Madison Square Garden, regardless of what anyone says, I'm pretty sure some of the players felt the pressure. After losing to CLG, that gives me even more drive to do better. I want to show that just because we did lose against them, we still have a lot of potential, and with this bootcamp, we can be better than CLG, and we can be one of the best teams in the world. After the group drawings, I don't think teams are expecting much from us. For the first time in our life, like, we're under hype. People everywhere are saying, oh, TSM's done for. If we do show up, and if we do put in the work, and we actually do make it out of groups, like, no one can say anything to us. I definitely feel like this is where we can redeem ourselves. This is our time to show if we can really compete with the best. Effectivement, les TSM underdogs de ce groupe D. Un tirage au sort qui fait mal. Les TSM avaient même publié leur vidéo où ils assistaient avec Loco Doco Original à ce tirage au sort. Et il y a presque une petite larme qui coule le long de la joue. Mais voilà, ils se sont entraînés, ils sont chauds bouillants. Alors, ils ne sont pas à domicile, ils n'ont pas l'habituel TSM. Et je pense que vous pouvez leur faire ce cadeau pour les rassurer. On se lance un petit TSM, s'il vous plaît. TSM! 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 En stream anglais, vous allez rendre le chat Twitch fou, donc voilà, c'est marrant. Et bien sûr, en face, il y a les géants, les KT Rollstar avec Someday au top, Score dans la jungle, Nagné au mid, Aro on a des carries et Peekaboo. On supporte Peekaboo, Shotcaller et génie de cette équipe coréenne. Maître à jouer en early game, bien sûr Team Solomid, Dyrus top lane, Santorin jungle, Bjergsen mid lane, White Turtle à des carries et Lust Boy au poste de support. Et ça va être une très très belle rencontre. On va voir si effectivement le bootcamp a permis au TSM non seulement de se remettre de cette défaite 3-0 au Madison Square Garden, mais surtout de se préparer à affronter une équipe où, eh bien, c'est en plus, on a quand même l'impression d'avoir le comble de la malchance, une équipe qui semble avoir été construite pour détruire la stratégie TSM, pour détruire le mid laner. On a une équipe qui crush la mid lane, c'est KT Rollstar. Effectivement, Nagné individuellement n'est pas forcément un joueur qui va avoir tendance à tuer son vis-à-vis, à totalement dominer son match-up comme peut le faire un joueur comme Faker par exemple. Mais Nagné reçoit beaucoup de soutien de la part de son équipe. Le duo Score et Peekaboo roam énormément et la première chose à faire quand on joue contre les KT Rollstar et quand on veut les empêcher de gagner leur league game, c'est déjà de prendre une duo lane
qui push bien et qui peut empêcher Picaboo de roam. C'est la première obligation. On le voyait dans le sujet, ils en parlaient justement de la passivité. Et on est parti dans cette première phase de draft de la journée. Donc ils parlaient de leur passivité, les TSM, tout au long de la saison. Et c'est vrai, Noah, c'est quelque chose qu'on leur a beaucoup reproché. Ils ne jouaient plus pour gagner, mais pour ne pas perdre, étant donné qu'ils étaient une équipe hyper regardée. Les choses ont évolué, peut-être. Il va falloir, quoi qu'il en soit, face à ces KT Rollsters qui sont une menace monstrueuse en early game. Alors, Gnar, Twisted Fate, ban par KT Rollsters. Gnar, justement, un champion noir qui est difficile à totalement démolir sur sa lane et qui peut tenir la plupart des match-up. Donc, c'est intéressant, je trouve, qu'ils aillent dans le sens de ce ban. Ils sont blue side, mais ils vont tout de même ban le Mordekaiser. Alors qu'en général, c'est quand même un ban red side sur cette méta 5.18. Encore un trash, oui, les trash coréens. Picaboo, par exemple. Gorilla. Oh là là là. Monstrueux. Et tout de suite, Darius pour Someday. Someday qui est un crusher à la top lane. Someday qui est un hard carry, considéré par certains pour le meilleur solo laner du monde. Contre Tyrus, est-ce que Tyrus est capable de jouer le duel avec sa Fiora? Fiora contre Darius, honnêtement, c'est vraiment un champion qui est super fort en 1v1. Après, voilà, mécaniquement avec Fiora, il faut voir ce que Darius est capable de faire, notamment au niveau de l'utilisation du contre. Et on notera donc les KT Rollsters qui n'ont pas décidé de lock lane. C'est ça, et ça c'est une excellente nouvelle pour TSM. Bah, je parce que aussi. Santorin qui peut être un peu absent de jungle par rapport à Score. Score qui, à partir du moment où il a pris ses aises, commence à détruire la jungle adverse, et bien il n'a pas le jungler numéro 1 de la méta. Oh. Et donc qu'est-ce qu'ils ont prévu pour essayer de jouer contre cette release? Changement finalement, Brom. Big du côté des teams Solomid. On décide de ne pas opter pour la Fiora pour l'instant. Pour l'instant, donc comme tu le disais, Noah, là Elise, big super intéressant parce que c'est un des meilleurs junglers en duel et en 2v2. Et c'est un champion qui peut mettre beaucoup de pression, qui dive facilement. Honnêtement, quand on fait le jeu en early game, je trouve que Elise n'a quasiment pas son pareil. Alors bien sûr, Rek'Sai, Gragas, ça reste hyper efficace, Lissine, mais Elise, c'est tellement puissant quand on veut vraiment prendre à son compte l'early game. Du coup, Santorin aura la capacité de duel score, notamment. Nagné sur son Azir, c'est son main pick. C'est son main pick. Tout à fait, et en général, il est ban. Il est impressionnant, 100% de win rate sur les playoffs du Summer Split de la LCK. Et effectivement, normalement, c'est le seul champion que l'on ban à Nagné, Chips. Ouais, tout à fait. Et ça le force bien souvent à partir sur un Victor ou une Cassiopeia qui peut être un de ses pics refuges également. Il a pris un peu de Diana récemment aussi. Ouais, c'est vrai qu'il varie. C'est pas dans son style de jeu le plus pur. Là où Nagné, on le connaît, c'est un joueur qui a un bon contrôle de ligne, qui a un bon débouche et qui aime bien prendre son temps et attendre qu'on lui donne la béquée. Alors, Olaf pour Darius. Darius, excellentissime joueur de Olaf. C'est vrai, pendant les playoffs nord-américaines, il a vraiment hyper bien performé sur ce champion. C'était contre les Gravity. Je ne vais pas confirmer puisque je n'en ai aucune idée. J'ai un petit doute. En tout cas, son Olaf avait été très bon. Il avait même score un triplé ou un quadra kill dans un teamfight au niveau du dragon. Et là, le blanc de Bjergsen. Là, c'est intéressant. Le blanc, c'est un champion qui peut vraiment mettre en difficulté Azir. Mais mécanique, voilà, tout se joue sur la mécanique. On l'a vu hier, Faker jouer contre le blanc de Ryu. Faker, lui, arrivait parfaitement à gérer les trades. Il faut voir ce que ça va donner là entre Nagné et Bjergsen. Nagné n'est pas aussi bon que Faker, même sur son Azir. Même si c'est un excellentissime Azir. Et Bjergsen, eh bien, est un midlaner. Alors, Ryu est très bon, mais Bjergsen peut parfois même être meilleur que Ryu. Ouais, il Bjergsen peut le transcender. Bjergsen a des très très gros pics en termes de niveau, ça c'est sûr. Les KT Rollsters noirs qui jouent le gros team fight et le scaling late quand même avec ce Kog'Maw. Alors, problème. Ce qui est intéressant. J'ai un problème avec ce Kog'Maw Alistar contre un Olaf. Comment protéger un Kog'Maw quand il n'y a absolument rien pour l'aider à améliorer sa mobilité? Ça, je trouve que c'est un problème. Hein. Effectivement, le choix des KT Rollsters, là, l'orientation sur le Kog'Maw pourrait leur coûter cher éventuellement. Alors, du côté des TSM, on attend le pic donc de l'ADC de Wild Turtle. Il faut quelque chose qui crush. Ouais, quelque chose early mid. Est-ce qu'il pourrait pas jouer une Sivir avec Olaf? J'aimerais beaucoup une Sivir pour mettre la pression sur Picaboo. Tu outpush Picaboo, tu l'empêches de roam, de décale. Derrière, le Sboy peut prendre des initiatives avec son Brom. Et on peut faire la différence avec justement la Elise. Et c'est une Vayne.
une petite veine. C'est une veine. Alors, White Turtle quand même avait fait de très grosses performances avec sa civière tout au long de la saison. Ils font un choix qui m'interpelle un peu les TSM parce que, d'accord, Vayne, c'est très fort pour Speed Push c'est et ça peut être une très bonne option pour Katie Rolst pour les TSM, mais en face de lane pure, honnêtement, c'est pas un champion qui brille contre Kog'Maw. Il y a plusieurs choses. Déjà, Brome, Vayne en termes de dépush, c'est très faible. C'est très faible. Donc déjà, je pense qu'on va avoir un Picaboo assez libre de ses mouvements. Après, contre un Darius, on sait que c'est excellentissime comme personnage, mais le problème, c'est qu'en face, il y a aussi un Kog Azir pour le late game. Et en termes de zoning, en termes de range, eh bien je me demande, est-ce que Wild Turtle va pouvoir se positionner pour DPS? C'est une vraie question, et en plus moi j'aurais préféré Sivir du côté des TSM, donc wave clear, pression de lane en early, et puis surtout après l'ulti pour le Olaf. Et ça aurait vraiment rendu Dairus ingérable, je pense, pour les KT Rollsters. Il aurait été dans tous les cas, en fait, sur les carries adverses, grâce à l'ulti Sivir, il aurait pu faire des dégâts. Là, on va voir, je sais pas, ce pick Vayne, je vous avoue que je m'interroge. En tout cas, voilà, on est parti pour la première game de cette deuxième journée de championnat du monde 2015. Est-ce que, pour ce premier match, est-ce que vous êtes, s'il vous plaît, motivés à Paris? Ça fait plaisir, et ça va être une très belle affiche. On veut vous entendre hein, pendant la game, quand il y a des actions de folie, quand Dairus peut-être tuera en 1v1 someday. Alors on ça, veut vous entendre bien entendu. Si Dairus, si ça arrive, attrape, si Dairus prend le first blood, je veux que tout le monde se lève, je veux que tout le monde crie, que Sandy Govation pour la légende. Là c'est, enfin, c'est un moment d'histoire. Bien et sûr. C'est parti. Bien sûr, bien sûr. Allez, KT Rolster contre Team Solomid. Ah, le public qui encourage TSM et les icônes KT Rolster qui commencent déjà à fuser. Excellent. On est parti dans cette early game donc. Alors, les TSM, en choisissant la Vayne, ils s'octroient quand même une possibilité d'espérer en late game, même si, clairement, je pense que le teamfight KT Rolster en late game n'a pas d'équivalent hein, pour l'instant pour les TSM, qui vont devoir plus jouer le mid game avec un Olaf qui, avec deux items, je sais pas, disons Black Cleaver et peut-être un item tanky, donc irait sur la backline adverse et ferait des gros dégâts. Plaque du mort, c'est vrai, plaque du mort, très intéressant. Excellent, il y a une Rexha, il y a un Darius. La plaque du mort sur Dairus pourrait être un très très bon choix d'objet. Ça donne, de toute façon, maintenant sur les bruiseurs, sur les juggernauts, c'est rentré vraiment dans les must-have d'une optimisation. Sterak n'est pas forcément ce qu'il y a de plus rentable, et donc le premier choix s'oriente vers une plaque du mort ou plaque de témor pour les intimes. Tout à fait. Alors Wild Turtle, on est parti sur un swap lane du côté des TSM. Wild Turtle et Lost Boy du côté de la top lane, et Picaboo qui pull les sbires au milieu de la lane entre les deux tours. Alors il leur fait, d'accord, ok. Ouais, sans proxy, parfois on peut s'amuser à leur faire un proxy comme ça et du coup à complètement deny, à complètement faire push et deny une vague de creep avant de freeze. Ça se fait, mais finalement ils en sont restés là, ils vont se consacrer au gromp. Alors les deux équipes qui sont en train de s'échanger leur jungle, là on part du côté du blue buff pour Santorin et pour Score. Et du coup, donc on aura swap lane hein, côté TSM. Oui, bah, White Turtle, Lost Boy au top. Effectivement, comme on le disait, le 2v2 contre un Kog Alistar. Le problème pour Vayne, c'est que ta range de base en fait correspond à la range du combo du Alistar. Du coup, t'es forcément exposé à des trades en permanence. Et d'ailleurs, le Kog'Maw peut s'amuser à poser des dégâts et à outrange la Vayne grâce à son barrage du Arcanique. On est parti du côté des TSM pour un push plutôt avec agressif. Avec un Olaf, ça va très vite. On a déjà vu même des compositions où le Olaf se laisse volontairement mettre low life pour taper encore plus vite la tour. Ce ne sera pas le cas ici. Je suis même un petit peu surpris que Santorin, avec ses araignées et avec Elise, n'ait pas suivi. Mais cela suffira avec la bonne vague de CS derrière. Ah, on veut clear les tours hein, du côté des deux équipes. Là, on a vraiment envie de prendre ses premières goals dans la partie et de libérer un peu justement les lanes pour pouvoir commencer à jouer la macro game et les rotations.
On continue là du côté des deux équipes. Picaboo qui met beaucoup d'auto, qui se focus uniquement sur cette tour avec des petites atomisations quand même pour les vagues de sbires. Du côté de Santorin, pour l'instant on farm, on est dans une phase d'early jungle, donc on va chercher à passer ses premiers niveaux et à aller peut-être compléter ses premiers items. On ne semble pas s'orienter vers un gang du côté des deux équipes, et les TSM qui récupèrent la première tour de la game pour l'instant, avec un score qui a déjà fait son premier back noir du côté des Katie Rolser. On revient donc avec un smite bleu, donc plutôt axé gank en early mid-game. Katie Rolser risque de tenter de prendre l'initiative, hein. Surtout que la Picaboo n'est pas sous pression, donc on va pouvoir avoir ce fameux duo score et Picaboo qui va pouvoir justement se mobiliser et mettre de la pression sur la map. Là, les supports partent au roaming, on voit tout de suite, hein, du côté de Lustboy, excellentissime support, il est déjà parti pour essayer de jeûner un petit peu, de prendre le map control et la vision sur score. Alors, et Picaboo ne devrait pas tarder à faire de même. Pour l'instant, il est toujours en train de couvrir un tout petit peu sa veine, parce qu'on ne sait jamais, un Olaf, ça peut être, pardon, son Kog'Maw, ça peut être dangereux. Il suffit qu'il y ait une déchireuse qui touche et que le log soit fait pour que Arrow soit complètement mal. Et pour l'instant, Dairus va devoir tenir en 2 contre 1. Et ça y est, le duo commence à se mettre en place. Core va commencer à aller chercher un petit peu des noix sur la mid lane, mais le carapateur a été mis. Il y a un bon map control sur les abords de la mid lane, et pour l'instant c'est un Birkson qui évolue de façon parfaitement safe. C'est vrai, il joue purement son match-up. On l'a vu tout à l'heure, il avait une dizaine de CS d'avance, et puis Nagné est revenu, mais Nagné le TP back là. Birkson a encore une fois l'occasion de passer devant son adversaire. Someday qui se retrouve du côté de cette mid lane. Les Katie Rolster commencent à bouger là en groupe et à tenter de se mobiliser. Alors, oh là là, ils ne sont absolument pas obligés de jouer leur league game à fond noir. Les Katie Rolster, ils peuvent se contenter de jouer petit bras. Attention, score du côté du bot, Dairus. Dairus, il est prudent, Dairus. Il voit Dairus, il ne veut pas donner le first blood. J'ai vu quelques pronostics passer sur Reddit où les gens disaient que Dairus donnerait les 6 first blood des 6 matchs TSM. Intéressant, mais il a à cœur forcément le top laner nord-américain de faire en sorte que ces pronostics ne se réalisent pas. La première tour donc pour les Katie Rolster du côté du bot. Someday qui engage sur Dairus, ils ont attendu un long moment quand même, hein. Les Katie Rolster sont le gang sur Nagné, flash out de Nagné là-dessus, le frostbite qui touche du côté de Lustboy, le cocon avait touché également Santorin. Et Dairus, quelle pression directement sur lui, noix. Ça peut être une bonne façon de faire aussi pour les Katie Rolster, juste chercher à faire craquer mentalement Dairus. En fait, le faire perdre ses nerfs encore. Dairus, le smite, c'est le first blood sur Dairus, c'est le first blood. Dairus qui va donner le first blood. Dairus, alors on notera quand même, Noah, et moi honnêtement là tu vois, j'ai l'impression de voir un peu ce qui m'avait fait être très critique vis-à-vis de TSM à une époque, c'est-à-dire Santorin, il voit honnêtement que Dairus est en difficulté depuis, ça fait 2 minutes qu'il se fait camper, qu'il essaie de poser la vision. Mais honnêtement, quand t'es seul comme ça avec ton laf, tes ressources sont limitées. Tu peux pas en permanence en fait réussir à gérer 3 ou 4 joueurs qui veulent un kill sur toi, surtout quand t'as perdu ta T1. Donc pourquoi Santorin n'a pas bougé, n'a pas essayé d'apporter le soutien? Pourquoi pareil, Lustboy n'était pas du côté du bot pour essayer d'aider ce Olaf? Il y a quelque chose que l'on peut voir, c'est est-ce que ça ne va pas au TSM? Au moins on campe Dairus, mais on laisse Birkson tranquille. Birkson Chips, qui est le joueur des Worlds, qui a la plus grosse part de gold share de son équipe. 25% des golds de l'équipe sont donnés à Birkson. Ouais, c'est la définition même d'une composition mid-centrique, hein, du côté solo de TSM. Mid. Team solo mid, exactement, Noah. Et alors là, ce qui est un peu inquiétant quand même, c'est pour moi, tu peux pas sacrifier un Olaf. C'est une énorme erreur. Surtout vu la draft des Katie Rolster là, le Olaf est importantissime pour aller gêner Nagné et Arrow. Tu peux peut-être sacrifier un gros tank, mais Olaf, c'est un champion qui a besoin de partir offensif, qui a besoin d'avoir des items et un peu de résistance et de PV notamment, parce que tu vas rentrer au cœur de la mêlée et tu vas te faire burst forcément par l'équipe adverse. Tu as besoin d'être OK dans ta game, sinon tu ne serviras à rien. Tu vas courir vers tes adversaires, tu vas te faire tuer en 2 temps 3 mouvements, et derrière, attention, le dive n'a pas TSM,
peut-être. Tyrus qui se met en position pour prendre sa revanche. Ils regarde, sont 5, le décalage, TSM, le décalage de Nagde. Le Kogmo ne pourra pas venir. Nagde qui va arriver, mais c'est un petit peu tard. Les TSM ont une toute petite fenêtre de tir. Je pense, il faut qu'ils avancent vite, les TSM. Picabou qui va pile. Picabou derrière, score en dedans. Sunday, le focus. Sunday va tomber. Wildcatter récupère le kill. Nagde la passe impériale. Mais Santorin était parti en rappel et va éviter l'ultimate du midlaner des Katy Rollster. TSM, le dive qui passe là-dessus, noir. Et Sunday qui tombe. Belle exécution. J'ai cru que Nagde allait le punir, mais ce rappel du côté de Santorin a permis au TSM de s'en aller sans concéder de kill à leurs adversaires. C'est bien ce qu'ils font les TSM. Et le TP tout de suite de Dairus au top parce qu'il a une gigantesque vague de creep à venir récupérer. Yaro n'arrivera pas à la deny à temps. Haro qui a été laissé très très paisiblement sur sa top lane tout seul. Et malheureusement, oui, Nagne est arrivé, mais ça n'aura pas suffi, Chips. Et ils ont bien profité eh bien, d'avoir leur duo lane en bas et de ne pas avoir justement ce TP pour le follow-up d'Haro. Et donc, alors on vous parlait justement sur l'avant-match la capacité des Katy Rollster et de leur propension à jouer très agressif en early game. Ils sont... Le truc qui est spécial avec Katy Rollster, c'est que c'est vrai qu'ils ont tendance à faire ça, mais ils prennent assez régulièrement des drafts orientés late game. Et du coup, c'est une équipe qui est difficile à... C'est très difficile. Dairus. Ouf, il a vu venir score, il a eu peur du bureau là-dessus. Nagne qui décale également. On commence à prendre la vision du côté des Katy Rollster. Top side de la map, principalement là où le Kogmo de Haro eh bien, vadrouille et prend du farm. Haro qui est vraiment une arme énorme hein, en late game sur son Kogmo. Katy Rollster, ils sont revenus des enfers plusieurs fois sur ce Summer Split, notamment contre les Koo le Tigers gank. En late game grâce à un Kogmo. Lustboy qui va essayer de mettre un Q-spell. Lustboy, le Q-spell qui va toucher, le slow, c'est... le Coco qui est positionné. Santori qui va venir, beaucoup de dégâts qui sont mis sur Sunday qui va devoir disengage, mais on ne va pas le suivre. On n'a pas trop d'informations sur la position de score, on est très deep, on va se contenter de prendre ce red buff. Et c'est dommage parce que là, les Katy. Regarde, c'est pas possible. Score, le bureau sur Dairus, on continue, les dégâts sont excellents. Dairus niveau 5, il est en danger dans ce genre de situation. Score niveau 6, c'est encore une fois la pression. Katy Rollster décide de dédier. En fait, c'est très malin ce qu'ils font parce que non seulement ils arrivent à shutdown Dairus, mais en plus de ça, ils s'assurent un très bon farm du côté de leur Kogmo. Tandis que Nagne au mid, lui, est sous pression. Son duel face à Bjergsen est compliqué pour le midlaner coréen. Bjergsen, 20 CS d'avance sur sa Leblanc. La tour récupérée au bot du côté de Walter Tull. Et là, quand même, les TSM pourraient peut-être eh bien, s'orienter vers le dragon. Le TP de Sunday. Dairus sur la top lane. C'est sur Dairus une fois de plus. Il n'a pas son niveau 6. Il est condamné. La domination, le combo. C'est Dairus qui va donner le deuxième kill pour les TSM. Peut-être une tour qui pourrait être prise derrière. Lustboy est seul à la défense. C'est bien, justement, je voulais en parler. Sunday, il avait un timing de TP qu'il n'avait pas utilisé. Et regarde, depuis le dragon tout à l'heure. Noir, le dragon du côté des TSM, c'est ce que je disais juste avant que l'action soit engagée en haut. Il faut que les TSM prennent cet objectif. Katy Rollster leur offre sur un plateau d'argent ce dragon. À côté de ça, bien sûr, ils shut down Dairus et ils s'assurent un bon scaling pour leur Kogmo. Mais du côté TSM, il faut pas hésiter. Dragon disponible, aucune présence Katy Rollster, bot side de la map. Donc on va chercher l'objectif. Et justement, voilà, on sature le petit buff de dégâts pour cette early game. Et petite statistique là-dessus, première tour prise, les TSM qui n'ont pas pour habitude de prendre rapidement des premiers dragons. Et le petit duel, Bjergsen qui met un gros get back à Nagne. Et quand on met les deux solo laners, chacun tranquillement et sans gank, et bien Bjergsen prend l'avantage, Chips. Mais ça, c'est très Amérique du Nord quand même. Au niveau du rythme de leur de la région nord-américaine, on avait quand même des dragons assez late en général. Hein, parce que les early étaient plutôt passifs. Et du coup, on engageait très très tard des actions au niveau de ce dragon. Mais pour l'instant, vraiment, du côté des TSM, ce qui fonctionne très bien, c'est cette mid lane. Avec un Bjergsen qui tient son rang. Sur sa Leblanc, il a déjà fini son Morello Nomicon. Et Nagne a beaucoup de mal hein, à tenir face à la superstar de l'équipe, Team Solomine. À côté de ça, on voit également un Walter Tull noir qui, malgré le fait qu'il n'ait pas été spécialement gêné dans cette game, est derrière au farm en comparaison à Arrow. Pour l'instant, honnêtement, Katy Rollster, ils sont très bien positionnés, je trouve, dans cette partie. Et Dairus, il va falloir avoir un gros mental, moi. Il va falloir avoir un très très gros mental. C'est pas la première fois qu'il se fait complètement camper. Il a le mental pour tenir Dairus. 1-0-2, il a le même farm que Sunday, il peut tenir. Le problème, c'est que c'est de kill à Sunday dans le 1 contre 1. Pour l'instant, ça va l'empêcher de jouer le split. Ça va l'empêcher de farmer tranquillement. Il faut juste être patient. Il faut juste être prudent dans ce début de partie. Un Agne, on récupère le blue buff.
Ouais, tout à fait, hein, parce qu'ils ont besoin de quelques items hein, sur leur carry, les Katie Rollster, pour vraiment commencer à être une menace. Nagné, on le voit, il abandonne quand même beaucoup de farm à Bjergsen, mais il veut s'assurer de ne pas donner de kill pour être sûr et certain que cette Leblanc ne va pas snowball. Ne pas donner de kill à Bjergsen quand tu joues contre TSM, c'est déjà un excellent début. Ça veut dire que voilà, pas de snowball potentiel. Et on le sait, sur Leblanc, c'est hyper important en noir. On l'a vu, hein, le champion peut quand même avoir du mal à prendre des kills s'il n'arrive pas à eh bien, prendre un peu d'avance dans la game. Pour l'instant, au niveau SS, on est bien pour Bjergsen. On continue à Arras. Nagné tout de suite le disengage avec ses soldats de Shurima. Et la game, là, qui, le rythme qui se pose un peu. Attention, oh, Nagné, des énormes dégâts. Bjergsen peut-être, encore une distorsion. Bjergsen qui claque l'inag. Nagné obligé de purge. Obligé de flash out, le petit prodige des TSM est en train de dominer totalement sa mid lane. On est en train de monter là du côté des TSM, on est un peu galvanisé hein, par cette excellente phase de lane de Bjergsen, Dairus, Santorin, Lustboy. On commence à investir la jungle de ces Katie Rollster, à poser de la vision. Ils répliquent quand même TSM, hein. On est très loin quand même de la... Enfin... On n'est pas dans la passivité qu'on leur a connue dans certaines games, Noah. Je trouve qu'en early, ils ont quand même été un peu moyens au niveau de la réaction vis-à-vis du camping sur le Olaf. Mais quand même, ils ont dive au bot ensuite. Et certes, Score et Consort mettent énormément de pression sur Dairus. Mais TSM ne se contente pas de lane. Ils bougent quand même sur la map. On a des rotations. On a eu un dive tout à l'heure. Honnêtement, voilà, l'early game de l'équipe, pour l'instant, est tout à fait correct, je trouve. Et on a tout de même un Dairus qui est toujours assez loin derrière, mais là il récupère beaucoup de farm. Il pourrait être sur une phase de jeu, il pourrait freeze noir. Il n'y a pas grand chose qui l'oblige, je pense, à prendre des rétorsions. Nagné, Bjergsen, il n'a plus le solo kill. Il domine totalement son adversaire avec plus de 30 crimes d'avance. Et la cerise sur le gâteau, un petit blue buff derrière. Aïe, 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 oui, on arrive à shutdown Dairus. Mais non, Bjergsen est laissé trop tranquille pour l'instant. Et tu vois, hier, je discutais justement avec des gens et ils me parlaient de la game de Faker sur Azir. Et je leur disais, c'est vrai qu'il n'a pas forcément été aussi impressionnant que ce qu'on attendait, mais la gestion de ses trades contre Leblanc était juste parfaite. Il arrivait à chaque fois à faire deux fois plus de dégâts et on voit là la différence par exemple entre là Nagné, il se loupe totalement son dash, il est censé faire des dégâts à Bjergsen et récupérer un shield, il se trouve complètement, du coup il se retrouve hors de position, tout est loupé pour Nagné dans son duel. Et honnêtement, on le voit, la maîtrise de Azir, ben c'est pas donné à tout le monde de résister à une Leblanc avec Azir. On le voit, Nagné, il se loupe énormément. On voit la différence hein, entre un Nagné et un bien Faker. Sûr, sûr. Et Bjergsen, bien qu'il joue parfaitement son match-up. On a eu le même match-up hier, Ryu-Faker, ce n'était pas le même résultat. Et là, forcément, ça donne à TSM, en tout cas, des bonnes opportunités. Ça leur permet de rester devant au gold. Et on a un dragon qui revient dans 1 minute 13. Il faut mettre là, un peu de pression sur cette mid lane. Il y a quelque chose à faire. La ligne au top a été bien push par Dairus. Donc ça va progresser, ça va faire un slow push pour les TSM. On a de faire progresser la ligne aussi sur la bot lane pour White Turtle. Ce dragon est pour l'instant très bien préparé par TSM. Honnêtement, TSM, s'il garde cette vision là, si Bjergsen arrive à se positionner hors de la vision des Katie Rollster, à flank, à trouver un carry, il y a vraiment possibilité pour les Américains d'aller chercher ce deuxième dragon. Katie Rollster, c'est même pas dit, Noah, qu'ils essaient de vraiment le jouer. Parce que, à mon avis, ils savent que Bjergsen est un énorme danger pour eux. Il est en forme, le midlaner américain, pour son entrée dans ces championnats du monde 2015. Et je pense qu'il a à cœur de prouver qu'il est capable de rebondir avec ses coéquipiers. Oh là là, Bjergsen, beaucoup de dégâts. La chaîne qui ne touchera pas, mais c'est pas grave. On arrive à deny un peu de farming, on arrive à mettre un peu de dégâts sur cette tour. Et on arrive à mettre de la pression 15 secondes avant le retour du dragon. Il faut que Nagné récupère ses points de vie. Et ils vont prendre cette T1, ils vont push le mid, ils vont se libérer. Et le dragon noie directement TSM qui a la vision là, tandis que Dairus récupère du farm au top. Écoute, Katie Rollster, ils sont un peu, je pense, à mon avis, ils sont extrêmement gênés par l'évolution de Bjergsen et le fait que le Azir de Nagné soit en difficulté. Attention, Santorin exposé, Santorin le rappelle, le flash out du côté de Santorin, le Sunday, double grave, Sunday qui rentre dedans, autour de défense du côté des TSM et le Katie Rollster. Bjergsen, on Bjergsen, dans le fight, Bjergsen prend les qui arrive à s'échapper, qui s'en sentira également en noix. Mais voilà, Santorin est tombé et du coup les Katie Rollster sur cette fulgurance de Sunday, ce flash grab sur le Dairus.
et sur Santorin. Non, non, il aggrave Lost Boy et Santorin, pardon. Derrière, il récupère T1. Une T2, peut-être, il pourra enchaîner sur un dragon noir. Il faut enchaîner excellente sur un dragon. Excellente phase de jeu. Alors ça, c'est quelque chose aussi contre les équipes coréennes quand tu fais une erreur de positionnement. Someday. Ça ne pardonne pas. Someday rentre dans l'arène. Someday rentre dans la danse. Le célébrissime top laner coréen n'est pas content. Il n'est pas content, il le fait sentir. Pas de dragon cependant qui sera sécurisé par les Katie Rollsters. Les TSM, grâce à tous ces bugs, vont pouvoir le prendre une nouvelle fois gratuitement. Je trouve ça un peu laxiste quand même de la part des Katie Rollsters de laisser cet objectif aussi facilement. Ils auraient pu aller le chercher, surtout que quand tu regardes les lanes, honnêtement, ils n'étaient pas tout de suite sous pression, ils risquaient pas de concéder quelque chose à TSM, je pense. Donc sachant que leurs T1 ils sont déjà tombés. Honnêtement, ils auraient pu partir du côté de dragon, mais voilà, TSM qui prend l'initiative de le récupérer. Et du coup, on est à deux dragons dans cette game pour la structure nord-américaine. Et du côté de Katie Rollsters, on va chercher des tournois, 4 tours déjà. Un Someday qui a montré qu'il avait envie d'en découdre dans cette partie. Et voilà, les deux équipes sont de toute façon à la recherche de leur premier point dans ces championnats du monde. Toujours ce contrôle assez énorme quand même du côté des TSM sur le bot side de la map et dans cette jungle des Katie Rollsters. Honnêtement, pour l'instant TSM joue je trouve une bonne game dans l'ensemble. Noah, il y a quelques erreurs, notamment Santorin là qui se fait catch, mais à part ça, on est j'étais pas sûr qu'il pourrait autant résister à Katie Rollsters en early game. Non, effectivement, et est-ce qu'on partirait pas sur un petit gage de Sterak pour Someday, pour augmenter un petit peu le DPS tout de suite, en prenant un bon pool de points de vie, pour rentrer dans le tas plus facilement et essayer de tanker un petit peu. Et il sait qu'il risque de prendre beaucoup de burst s'il rentre dans la mêlée, vu qu'il y a Leblanc, vu qu'il y a Elise, vu qu'il y a Vayne. Donc effectivement, le gage de Sterak avec le passif qui proc quand il va perdre des points de vie, ça peut être intéressant pour passer un peu en mode berserk justement et tenter de mettre autant de dégâts que possible dans la mêlée et sur un squishy, possiblement la Leblanc ou la Vayne. Mais bon, pour Darius qu'importe, tant est que tu peux taper sur à peu près tous les champions, ton ulti reste une menace énorme. Surtout quand t'as réussi à stacker du passif. Allez, les Katie Rollsters, toujours sur ce contrôle. Bot side de map également. On va partir du côté de ce blue buff. Et donc la Vayne, Noah, on est parti sur un début de speed push du côté des TSM. C'est excellent. Vayne contre Darius en 1 contre 1. Normalement, tu ne peux absolument pas te faire surtout attraper. Si Darius n'a pas de flash. C'est ça. C'est le cas si le Darius n'a pas de flash, il l'a fait pour engage sur la midlane tout à l'heure. Donc là, il est complètement safe. Sachant qu'on avait la vision sur les 3 Katie Rollsters sur la bot lane et sur Nagne au mid, il n'y avait absolument aucun danger. C'est bien Ward dans la jungle pour observer des éventuelles rotations. Et derrière, les TSM arrivent à complètement tenir tête. Là, tant d'observations de nouveau entre les deux équipes. TSM qui commence à mettre en place son split push. Donc ils peuvent sortir un 1-3, hein, les TSM. Le problème, c'est que Leblanc n'a pas un wave clear aussi énorme qu'un Azir. Mais on l'a vu, Bjergsen, son but, c'est plus d'aller chercher à prendre la moitié de ses PV à Nagne rapidement et de le faire reculer du coup, et c'est comme ça qu'il prend bien la vague de Sbire. Attention, il est très très bien et regarde, plus 60 creep à la mid lane, Chim, 60 creep. Et certes, une Leblanc, ça n'a pas un si gros dépouche que ça, quoique encore avec distorsion, mais en plus il a fait un Luden assez rapidement dans la partie, donc il peut tenir. Et là Nagne, il se sent en danger. Nagne directement, il part sur de la résistance magie, il voit à quel point il est complètement surpassé par Bjergsen dans ce match. Ouais, c'est alors je savais, enfin voilà, Nagne c'est pas pour moi il est loin de faire partie du top 3 des meilleurs millénaires coréens, alors dans le monde, hein, je compte les millénaires qui se trouvent également en Chine, on va dire, donc des millénaires de nationalité coréenne. Je m'attendais quand même pas à ce qu'il se fasse dépasser à ce point par Bjergsen. Bjergsen honnêtement est vraiment bouillant et là il montre que voilà, ça, Leblanc est de retour, ça peut être une méta qui peut lui convenir, on le sait, dans le bootcamp en Corée, là Leblanc a été un des personnages favoris les plus plébiscités par les midlaners occidentaux et coréens. Et Nagne, quelle galère pour l'instant, et ça permet vraiment au TSM d'avancer parce que le Azir n'arrive pas à tenir sa midlane, il doit reculer et forcément TSM se sent pousser des ailes. Noirs, ils avancent dans la jungle face justement à cette game très compliquée de Nagne et ils vont poser de la vision. Là Leblanc est vraiment un énorme danger, Katie Rollsters ne veut pas donner de kill à Bjergsen. Ouais, mais là c'est dommage, ils n'arrivent pas les TSM à suivre le speed push de Someday qui permet donc
de deny. Quelques vagues de creep sous cette tour, d'être tranquille. Après, voilà, Dairus, eh bien, dans sa partie, il est très très loin. Très 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 loin. Pas de Black Cleaver, pas de maillet gelé. Enfin, il n'a aucun objet de fini. Il se contente de faire de la survie et d'essayer de courir un peu partout en gigotant des bras pour récupérer le maximum de farming possible. Faut dire que la double de Runblade aussi, c'est, voilà, c'est quelque chose, ça te retarde un peu forcément. Et puis bon, au niveau du farm, Dairus accuse énormément le coup. Ça, c'est la conséquence de l'excellent early game quand même des Katie Rollster sur la personne de Dairus, parce que tout n'a pas été géré à la perfection hein, du côté Katie. Mais ils savent jouer dans ce genre de conditions, Noah. C'est-à-dire que quand la game est un peu incertaine, je pense qu'il n'y a pas meilleur que les équipes coréennes pour réussir à tenir la distance. Attention, parce que Katie, c'est peut-être l'équipe coréenne la plus réputée pour ne pas savoir remonter une partie. Bah ça dépend, avec Kog'Maw ils peuvent le faire. Ils l'ont fait contre les Koo Tigers, ils avaient 10k gold de retard à 35 minutes de jeu, 40 minutes de jeu, et ils sortent le team fight avec le Kog'Maw. C'était une composition purement adécentrique. Là ils ont un Azir en plus de disponible, donc on va voir. Mais Katie sur les team fight de late game, c'est une équipe qu'il ne faut jamais sous-estimer, et surtout ils ont cette patience coréenne, ces nerfs d'acier qui peuvent amener les TSM à faire peut-être une erreur sur un moment de précipitation. Là qu'on a sur score là sur cette phase de vision, Walterton met pas mal de dégâts. Lust Boy, on va pas rentrer en mêlée avec un ulti du côté du support des teams solo mid. Katie Rollster là, agressé. TSM a quand même des ambitions hein. Les Katie Rollster s'avancent pour poser un peu de vision directement puni dans la rotation. River. Attention, la rotation sur la mid lane, il n'y a personne pour défendre. Pour l'instant, Someday qui va essayer de venir, mais il est bien seul. Someday, et cette tour qui va prendre pas mal de dégâts. C'est bon, il est très vite rejoint par Arrow. On ne va prendre aucun risque, surtout à 15 secondes du dragon. Du flank peut-être. Attention, le boy préparti, le bureau, le grab d'abord, Someday, c'est le kill pour le top laner des Katie Rollster. Excellent ulti de score. Excellent, je l'ai vu passer au travers de la main, je me suis dit, ah, il y a un TSM qui va y passer là-dessus. Du coup, Bjergsen qui se doit de wave clear là avec son Luden. Et on va se repositionner du côté des Américains. Le problème, c'est que ça va offrir une phase de prise d'objectif aux Katie Rollster, étant donné que le dragon est disponible. Un premier dragon pour les Katie Rollster, ils en ont bien besoin. Ne pas laisser les trois dragons au TSM, ne pas laisser un petit bonus de mouvement de speed. Un Olaf qui n'en a vraiment pas besoin peut venir essayer d'écraser une backline. Et ça y est, les Katie Rollster, premier dragon, avantage de 2k5 gold. Ils sont bien dans leur partie et ils arrivent aux 25 minutes de jeu chips avec une compo qui a l'air taillée pour ça. Ouais, alors il faut voir, est-ce que Dairus peut nous surprendre, Noir ? Parce que honnêtement, ça m'étonnerait que TSM arrive à complètement dépasser les Katie Rollster au niveau de leur speed push. Même si avec Vayne et Olaf, ils ont de bonnes armes, et voilà, le Dairus, je pense, va annuler le speed push du Olaf. Et après, pour la Vayne, ça se tient pour un Kog si tu restes sous ta tour. Donc, c'est pas dit que TSM arrive à dépasser les Coréens sur ce genre de phase de jeu. Du coup, je pense que pour battre la composition Katie Rollster, quoi qu'il en soit, il va falloir un teamfight. Et alors là, ça va vraiment être, pour moi, la question c'est, est-ce que Bjergsen va arriver à tuer très rapidement Arrow ou Nagné ? S'il arrive à le faire, TSM a une chance de remporter les fights, même à 30, même à 35 minutes de jeu, voilà. De toute façon, quand tu pars en 5v4, forcément tu peux gagner un fight, hein, même avec une super composition late game pour tes adversaires. Donc Bjergsen va avoir un boulot énormissime, et c'est pour ça que la bataille de la vision est si marquée entre les deux équipes. Ils le savent, les Katie, un flanking de Bjergsen et ils ont un carry au cimetière. À partir de là, ils peuvent pas se permettre de perdre la vision. Et justement, TSM redouble d'efforts maintenant au niveau du contrôle de ce Nashor. Mais il faut plus de pink war noir, il faut plus de sweeper peut-être pour s'assurer que les Katie Rollster, eh bien, soient amenés à fait échec. On la voit, cette ward qui traîne au milieu là, ils ont des informations, les Katie Rollster. Et pour l'instant, les TSM, ah, ils n'ont pas de pink, ils n'ont pas de sweeper, ils peuvent pas l'enlever cette ward. Il y a le split qui continue du côté de Someday. Et voilà, Dairus va être obligé de repartir sur cette bot lane. Les Katie Rollster jouent extrêmement défensif, ils ne prennent aucun risque, ils le savent qu'ils ont une composition qui se cale bien mieux que celle de leur adversaire. Donc à partir du moment où ils arrivent à garder un petit peu de vision, oh, l'arrivée de Bjergsen sur Nagné qui rattrape sa chaîne, tellement de dégâts pour Bjergsen. Mais Nagné à chaque fois il veut faire ce que faisait Faker hier, c'est-à-dire quand la Leblanc utilise sa distorsion pour te rentrer dedans, directement tu contres, tu vas prendre le shield, tu vas mettre des dégâts, tu vas être au corps à corps, et après ça tu as ton Q-spell pour punir le backdash de la Leblanc. Donc t'es censé dominer
potentiellement, si tout est parfaitement exécuté pour le Azir, tu peux dominer le trade, mais Nagné se loupe vraiment au niveau de son exécution. Et pourtant son Azir a prouvé de belles choses cette saison, mais là sur cette game, je pense qu'il est un peu en difficulté mentalement face à un Bjergsen qui lui met quand même 70 CS quasiment. Et heureusement voilà, qu'il a fini son Abyssal, il avait besoin de cette résistance magique pour essayer de tenir le match-up. Il est toujours très largement dominé par le midlaner des TSM et Dairus, le style qui ne passera pas à la déchireuse. Dairus qui essaie de revenir dans sa game, hein. Pour l'instant on va aller chercher la plaque du mort justement, Noah peut-être, pour le top laner des TSM, bulle assez classique hein, sur Olaf. Du côté du Darius the Sunday, on avance sur le troisième item, toujours beaucoup de points de vie. Et on se rend toujours aussi redoutable de toute façon. Darius pour le 1v1. Et le gang sur Darius, encore une fois, c'est toujours pour le même. Mais cette fois-ci, il a un ulti, il a un flash qu'il va claquer instantanément. Regarde et tout dégâts de suite, il y a du ping du côté du Nashor. Les TSM qui sont en train de faire le décalage. Il y avait 3 joueurs des KT sur cette botlane. Et ils vont tenter ce call Nashor. C'est pas mal qu'ils sont en train de faire. La défense de Rek'Sai avec le TP qui vient de traverser. Est-ce qu'ils peuvent aller au bout de TSM? Attends, là le blanc. Il y a le blanc de Bjergsen. Là, il a tenté d'aller sur Nagné. Attention, le TP également. Darius, Kabou qui rentre dedans, il va tenter de temporiser, 4000 PV sur ce Nashor, Bjergsen, non mais attention Bjergsen, Nagné se positionne, Nagné va passer un période en mêlée, le defight va pour le culture Holster, Auron est en train de démolir un backlane, il reste Walterton, flash, grand, Sunday, donc c'est un massacre, le culture Holster explose complètement le TSM dans ce defight, ils vont récupérer ce baron Nashor noir. Ah les TSM qui se sont fait intercepter au Nashor. Ils l'ont tamé, mais il y avait de l'idée. Mais le repositionnement des KT était trop fort. Sunday le TP, score un ultimate. Et Nagné n'est pas tombé. Haro n'est pas tombé. Et Bjergsen n'a pas pu déployer la totalité de son DPS. Catastrophe le problème, pour les TSM. Le problème pour Bjergsen, c'est qu'il était vraiment dans une situation où en fait il devait plus être en réaction. C'est-à-dire que là il devait limite tenter de protéger ses mates alors que lui devrait être en embuscade. Et on le voit là, il est au cœur de la mêlée. Il utilise une fois sa distorsion, il est sous le feu nourri de Nagné. Même Haro va au corps à corps. Et du coup, ouais, il se fait finir on a, par on le a une situation où Bjergsen il peut pas flank, il peut pas trouver la voie pour un carry. Il utilise ses cooldowns pour tenter de dégager ses coéquipiers. Mais ce Alistar leur a fait peur, Picaboo leur a fait peur, mais il aurait pas dû autant se commit Bjergsen. Il aurait dû garder en fait de la marge et ses distances de sécurité pour aller sniper justement ce Kog'Maw ou ce Azir. Vraiment dommage pour TSM, mais Katie Rollster fait un énorme break dans cette game. Un Q-spell, une chaîne qui passe sur un Alistar, derrière une distorsion qui est attendue avec les soldats de Nagné et le flash out. Enfin bref, il s'est fait contrôler du début à la fin. Je ne suis même pas sûr qu'il ait mis un seul coup sur autre chose que Picaboo. Et là, eh bien, ça donne un petit 6k gold d'avance, un buff Nashor avec une compo extrêmement laid, extrêmement bien dans cette partie. Et forcément, on vient chercher l'inhibiteur. Oh, le combo de Picaboo, directement le disengage de Bjergsen. Il est énervé, Picaboo. On est parti du côté des KT Rollster. Et alors là, côté TSM, c'est la pire situation parce que leur équipe n'est absolument pas taillée pour défendre un siège contre la draft KT Rollster. Il n'y a en pas plus de push. Ça, avec un Nashor noir, ça semble quasiment impossible pour TSM de tenir. Bjergsen qui va tenter des plays. Là-dessus, on met des dégâts sur score, mais voilà. Mais y a pas de c'est push. Une Rek'Sai, elle est très tanky. C'est dur pour les TSM, c'est très très dur de tenir pour l'instant. Il y a justement la tour du Azir juste derrière pour tenir face à une TSM. Dairus prend d'énormes dégâts. Ils vont finir par passer les KT Rollster petit à petit. Cette tour qui va tomber, je pense, et on le voit, ils sont en train. Oh là là, le sbire canon qui a outrange la tour. Et les TSM, c'est compliqué là. C'est très très compliqué. La tour qui est en train de se faire gratter petit à petit par les KT Rollster. Ils vont finir par lâcher prise, ils vont finir par se faire avoir. Et la tentative de Bjergsen, ça pile sur Bjergsen qui va devoir disengager à distorsion. Il n'y avait pas de follow-up derrière, mais c'est pas grave. La T3 au mid tombe en faveur des KT. Les TSM sont très mal. Ils ne peuvent pas engage. Il y a Picaboo, il y a la tour de Nagné. Ils sont complètement condamnés. Et sur le chemin du retour, directement, on enchaîne sur un dragon. Les TSM n'ont plus le droit à l'erreur. Ils vont devoir être parfaits s'ils veulent avoir un espoir de revenir dans cette game. Attention, Sunday, on est en position. Dairus également, il pourrait mener la charge pour la structure nord-américaine. Ce dragon-là,
en jeu pour les deux équipes. Les TSM qui vont le récupérer. Katie Rolser, on prend le risque ou pas? On prend le risque ou pas? Ils sont pas obligés, ils vont y aller. Le retour de la part de Score, le grab sur Bjergsen. Attention, Bjergsen qui prend de bons dégâts, il se repositionne. Derrière, le dragon a été récupéré par Walter Tull. On disengage peut-être du côté de TSM. Dairus qui va devoir s'escape. Et malheureusement, il y a Venakne qui était bien trop positionné. Oh, Dairus qui s'en sort à 3 points de vie. Dairus qui est vivant. Et le troisième dragon volé par TSM. C'est bien joué. Chaque petite avancée, chaque petit bout de pain est bon à prendre pour l'équipe nord-américaine. Ah, voilà, Bjergsen, c'est le genre de situation où j'ai envie de le voir évoluer en justement en flanking. Mais le problème pour lui, c'est là, il est sur une pink ward. Mais qu'est-ce qu'il attend, Bjergsen? Il attend. Hein, il peut rien faire en fait. Il y a tellement de vision de la part des Katie Rolser. Il était dans le seul buisson où les Katie n'avaient pas la vision. Mais s'il en sortait, de toute façon, les Coréens auraient pris l'information sur le mid laner des TSM. Une erreur, un mauvais call au niveau du Nashor et derrière Katie Rolster ne fait aucun cadeau. Ça se tentait, c'est juste que... Non, ils auraient dû s'en aller. Enfin, bon, déjà le focus, ils sont trop laissés attirer par Picaboo, ils ont trop essayé de mettre... Bjergsen a vraiment fait une erreur en essayant de d'utiliser des cooldowns sur le Alistar, ça servait vraiment à rien pour le coup, surtout qu'il était sous ulti. Et je pense que et même sans ça, à mon avis, TSM aurait dû abandonner le call lorsqu'ils ont vu le Alistar et le Azir arriver. Je veux dire, Alistar, Azir dans une situation où tu fais Nashor, c'est partition impériale, atomisation, deux CC qui sont monstrueux quand tu es paqué. Et du coup, c'était forcément beaucoup trop risqué. Il aurait fallu avoir la présence d'esprit d'abandonner le call, mais du coup ça fait très mal. Les TSM qui vont même tenter un trap. Est-ce qu'ils peuvent le tenter? Le slow qui passe, mais il y avait encore un tunnel pour Score. Ça peut marcher, les TSM. De toute façon, il faut qu'ils tentent absolument tout, les traps, les all-in, parce que si jamais ils restent passifs, et bien surtout avec la composition des Katie Rolster, ils vont se faire siège, ils vont se faire massacrer. L'arrivée de Picaboo, l'engage avec Sumdeck, arrive derrière. Sumdeck, le tir est mort. Premièrement, derrière, c'est le chase de la part des Katie Rolster. Dairus s'enfuit sous Ragnarok, sous ultimate. Sumdeck, il a son flash. Attention, oh là là, c'est compliqué. Walter Tull abandonné sur le chemin. C'est l'atomisation. Nagné récupérera le kill sur le carry des TSM. On commence à perdre le fil du jeu du côté des TSM. Noah, de plus en plus d'erreurs, de plus en plus de situations. Ils sont hors de position. Bjergsen essaie de trouver des solutions, mais il y a trop de vision pour les Coréens. Et c'est trop dur pour lui. On a l'impression de voir Ryu hier qui essaye de flanquer. Et avant qu'il puisse arriver à mettre du flanking, eh bien, son équipe, sa front lane, s'est déjà faite complètement balayée. Et on va aller récupérer 7-2 pour les Katie Rolster. Il y a aussi un inhibiteur à prendre au mid. Bref, il y a un boulevard pour essayer de remporter cette game. Picaboo. Un Ashore dans 1 minute 25. Picaboo. Dès qu'il voit le blanc de Bjergsen, c'est combo. Il cherche même pas à réfléchir à est-ce que ça va être follow-up ou pas. Enfin, directement, la pression. Backdash de Bjergsen, on tente la chaîne. Et les Katie Rolster maintenant sont lancés. Ils ont pas trop forcé leur talent dans cette game, les Katie. Je dirais même qu'ils ont. Enfin, il y a des moments où ils ont pas été forcément hyper propres. Mais voilà, ce dont je parlais, ils ont eu la patience. Ils ont attendu les prises d'initiative TSM qui étaient forcés de bouger, nous, vu les drafts. Et ça fait très mal. Ça fait très mal aux Américains maintenant. Ils ont fait l'erreur et contre une équipe coréenne, tu ne dois pas faire d'erreur si tu veux l'emporter. Surtout que les Katie Rolster sont habitués à jouer des teamfights de late game avec des Kog'Maw, des Azir. C'est des champions qui ont été hyper utilisés par cette équipe tout au long de la saison. Et voilà, du côté des TSM, maintenant, ça semble quand même hyper délicat. Là, on va attendre d'espérer gagner cette partie. On va attendre le retour du buff Nashor pour les Katie Rolster. Et à partir de là, avec cette tour T3 qui n'existe plus au mid, ils pourront parfaitement s'imposer, prendre les objectifs nécessaires pour que la game soit irremontable totalement pour les TSM. Dairus ne peut pas aller assez deep, il n'est pas encore assez tanky. Walter Tull se fait zoner et Nagné est complètement free DPS derrière avec Bjergsen qui ne trouve pas le flanking. Là, Dairus, peu d'espoir. Là, Dairus, il rentre dedans, il se fait découper hein, par le Azir et le Kog'Maw. Honnêtement, le temps qu'il atteigne le corps à corps, je pense. Attention, le crit! Bjergsen prend d'énormes dégâts! Arrow qui fait poser son Kog'Maw. Il est là, il a 3 items offensifs. Et c'est dur maintenant pour TSM. Honnêtement, Bjergsen, il est toujours. C'est un funambule, noir. Il essaie toujours de trouver la solution. Il se met dans une situation risquée. Mais voilà, du côté des Katie Rolster, on a des yeux partout. On a la maîtrise de la game maintenant. On a le scaling. Et ce Baron Nashor,
ce Baron Nashor qui est revenu donc dans la game. Dragon dans une 30 également. Attention, qu'est-ce qu'ils vont nous faire les gars? C'est un Picaboo qui score. Score qui va se faire temporiser par Bilson, mais il va finir par arriver par derrière pendant que ça fait la domination de Picaboo. Et regarde Aro qui est derrière avec Nagné. Ils sont complètement free des PS. Sunday qui va venir à bout de Lusboy. Lusboy qui tombe. Ça y est, les TSM s'inclinent. On va partir au buff Nashor. Et les KT s'emmenant directement la tour. On n'a pas le temps pour le Nashor. Effectivement, les KT Rollsters là qui vont aller chercher les inhibiteurs. Bjergsen va tenter un peu. On fait des dégâts. Mais voilà, Sunday n'en a cure. Il tank, il encaisse. Du côté des KT Rollsters, on va aller prendre cet inhibiteur. Peut-être même celui du mid. Rien ne les en empêche, a priori, avant que Bjergsen arrive peut-être à pick-up. Non, c'est trop compliqué pour le mid laner. Et petit génie des TSM, deuxième inhibiteur tombé. Les Américains semblent perdus, Noir, dans cette partie. Dommage, parce qu'honnêtement, il y a eu de très beaux sursauts de leur part. Il y a un moment où on pouvait vraiment y croire, mais la patience KT Rollsters et leur draft qui leur offre le scaling leur permet maintenant de sereinement envisager la victoire, je pense. Oui, derrière, il y a un Nashor récupéré avec deux inhibiteurs détruits. Ça est plus que celui résistant à la bot lane. Ils vont pouvoir conclure cette game assez facilement, surtout arriver voilà, à bientôt 40 minutes de jeu avec ce Darius intombable, Nagné et Bero qui sont, derrière. Ils sont tellement tranquilles, Et bon, ben, les TSM, comme tu l'as dit, ont fait une erreur, mais c'était l'erreur de 3 à ne pas faire. Ah, tu peux pas faire d'erreur contre une équipe coréenne. Ils sont trop forts en fait pour capitaliser là-dessus. Le problème, c'est que dans les régions européennes et nord-américaines, il y a peu d'équipes qui. Enfin, je veux dire, tu fais une erreur et il y a peu d'équipes qui sont capables de l'exploiter à son plein potentiel et de faire en sorte que tu ne reviennes jamais. Et du coup, on a trop l'habitude de faire des erreurs dans les ligues européennes et américaines. Et voilà, et du côté coréen, on punit bien sûr. Attention, score, Walter Tull. Oh, le combo qui est raté par Picaboo, ça c'est assez rare pour être souligné. Et ça va permettre à Walter Tull de se repositionner. Mais attention, regardez, ils sont dos à leur base. On pourrait avoir un énorme rush vers le Nexus, ils ne pourraient pas faire grand chose. Et c'est ce qu'on va faire, on va deny les backs et on va peut-être foncer. On a les creeps qui sont en train de push, le catch sur le spot. Il va mettre un ulti de disengage. Attention à Sunday qui se repositionne. Stera, Devenu proc. Picaboo pour le flanking. Et Walter Tull, moi, Walter Tull, il est en train de frapper des sbires. Là, on tente. Picaboo qui rentre dedans. Ils sont en train. Attention, score qui rentre dedans. Le bureau. Les KT Rollsters vont définitivement enterrer cette équipe TSM. Santorin va tomber également. 4 morts du côté des TSM. Le chase de l'infini. Dairus encore vivant. Dairus, il arrive finalement à TP back. Il va tenter de défendre sa base, mais c'est tellement compliqué. Le vétéran nord-américain là qui est seul contre le monde, KT Rollsters, va s'imposer dans la première game de cette journée, deuxième journée des championnats du monde 2015, Noah. Et ils auront encore une fois, pour moi, le maître mot, ça a été patience, scaling late game. Voilà, tout simplement, c'est ce qui a permis aux KT Rollsters d'obtenir cette game. Et pour la première game de ce groupe D, s'il vous plaît, le Nexus qui tombe, un tonnerre d'applaudissements pour les KT Rollsters qui se sont lourdement imposés face aux Seed 3 de l'Amérique du Nord. Seed 2, c'est vrai, Seed 2 au point, excuse-moi, Chip. Seed 3 étant les Cloud9. Ah, il y a des encouragements pour TSM encore, on les soutient ici. Il y a une solidarité certaine hein, entre les différents peuples d'Occident. Bah, on peut pas nier que voilà, c'est sûr, on sait que les équipes asiatiques sont présentées quand même comme les favoris. Donc voilà, on espère toujours qu'elles puissent être gênées hein, par les équipes de l'Ouest. Et comme ça, on peut voir un peu justement le niveau se rapprocher. Mais déjà, Cloud9 et Fnatic ont fait de très belles choses. Là, c'était dur pour TSM. Malheureusement pour eux, un mauvais call au niveau de ce Baron Nashor. Un mauvais positionnement de Bjergsen dans le fight. Picaboo qui attire le focus sur lui. Et on applaudit les KT Rollsters, s'il vous plaît. Et tout à l'heure applaudissements s'il vous plaît pour les KT. Une très belle équipe. Ah, les gens chantent KT, les gens aiment KT dans la salle, ça fait plaisir à entendre. Tout à l'heure, nous retrouverons Shox et Sunday au plateau d'interview. Mais avant, Shones, qu'as-tu pensé? Bonjour déjà. Salut à vous le doc, vous me voyez pas encore, mais j'espère que vous allez bien et que vous êtes chaud. Ah,
évidemment, là pour l'analyse de cette game KT versus TSM. Donc, une game, moi j'ai trouvé fort sympathique à regarder. Ouais, très intéressante. J'étais dans le public ici, un peu pour tester la température. C'était vraiment voilà, très agréable à regarder. Et voilà, moi ce que je retiens, les premiers points à retenir, c'est Bjergsen qui avait un Agné. Ça, on l'oubliera pas. Très très belle mécanique. Hein. Et comme tu l'avais dit, Faker avait eu ce match-up à Azir contre Leblanc un peu plus tôt, donc hier. Au final, il s'en est très très bien sorti. Donc on n'a pas réussi à jauger un petit peu la qualité et la difficulté de ce match-up. Salut. Et là, on est parti directement Leblanc 1v1 sur Azir. C'était quand même magnifique. Et ensuite, derrière, les TSN donc, qui ont essayé voilà, de créer un peu d'action, etc. Moi, il y a quand même un point que j'ai vraiment pas trop compris. C'est-à-dire que quand tu veux contrôler le Nashor, donc on va voir ce qu'ont voulu faire les TSM, généralement voilà, tu achètes des pink wards, c'est-à-dire que ton objectif défini par le shot caller, c'est contrôler le Nashor. Mais ici, les TSM étaient un petit peu genre dans la réaction. Je l'ai dit à un moment, ils étaient là, ils campaient, mais il y avait cette ward sur laquelle ils étaient. Et oui. Ils avaient que deux sweepers, ils avaient une seule pink ward de poser sur la map, peut-être deux. Et du coup, ça manquait vraiment d'ambition, je trouve, pour arriver vraiment à concrétiser sur ce Nashor. C'est ça, et généralement, en fait, il y a une sorte de position en mid-game de ce qu'on appelle attaque-défense. C'est-à-dire qu'il y a les vagues sur le côté qui vont vers une équipe. Du coup, cette équipe-là va jouer l'attaque. Tu poses les pinks au Nashor, tu mets la pression. Du coup, il y a les waves qui viennent vers toi quand t'es l'équipe qui défend. Et tu dis, oh là là, en plus, ils vont au Nashor, il va absolument falloir qu'on défend. Mais les TSM n'avaient aucune pink ward, hein, littéralement zéro. Donc, du coup, bah, les KT se sont dit, bon, on met une petite ward, on est tranquille. Je pense qu'il se passe rien. Donc je pense que TSM savait qu'ils étaient vus, mais ils se sont dit on a le temps. On a le temps. Il y a trois personnes qui ont décalé sur la bot lane. On a le temps. On est positionné devant le Nashor et on va rusher. Et malheureusement, ben, je pense qu'ils ont surestimé leurs dégâts. Alors, s'estimer eh bien, la capacité de défense des KT, ben, avec une Rek'Sai et son ultimate et le TP de Darius qui était up, ils se sont fait avoir. En plus, après, bon, ben, le teamfight, en plus, il s'est passé ce qui s'est passé. Il s'est passé que Bjergsen n'a pas pu mettre un seul sort, que Picaboo a réussi à parfaitement contrôler l'entrée du Nashor. Et derrière, à partir de là, eh bien, tu donnes ça à une équipe comme KT Rollster. C'est la catastrophe. Ouais. Au niveau de la draft aussi, un petit interrogation au niveau de la Vayne. Il faut savoir que Azir est un champion généralement qui aime bien ce qu'on appelle les ranges faibles. Il aime bien jouer contre des Sivir, il aime bien jouer contre des Vayne. Et généralement, tu as tendance à partir sur une Tristana ou une Jinx contre un Azir justement pour essayer de passer outre les soldats, pour faire des dégâts en dehors de la frontline. Shones, Shox est prête, on va la retrouver en interview avec Someday. Génial. Thank you very much, guys. Joined here by Score and Holman to assist in the translation. First up, congratulations, fantastic victory over TSM. I want to ask about the game and especially the early kills that TSM got on their carries, Bjergsen on LeBlanc and Wild Turtle on Vayne. Did that worry you guys in any way? Score 선수, 우선 승리를 축하드립니다. 지금 TSM 팀이 픽으로 이제 좀 하이퍼 캐리에 가능한 르블랑과 베인을 골랐고 그 뒤로 그 두 챔피언이 좀 킬을 먹었을 때 아 이거 좀 위험할 수 있겠다라고 혹시 좀 걱정이 됐었는지 말씀 부탁드립니다. 일단 저희 팀도 하이퍼 캐리인 코고모가 있었고 그리고 그 베인 르블랑이 크는 동시에 저희 코고모도 되게 많이 성장하고 있어서 걱정하지 않고 있었어요. 저희 그 에로 선수가 코고모를 되게 잘하거든요. If TSM had Vayne and LeBlanc as their hyper carry, we had Kog'Maw for Arrow, and Arrow is a very talented Kog'Maw player, so we weren't that worried. Yeah. Not that worried, and you guys had a fantastic game in the end to close it out. You had a great game together with Peekaboo once again, and you've only been a jungler since this season. Can you explain to me how it comes that you have such incredible synergy with Peekaboo? 스코어 선수는 이제 정글로 전향한 지 이제 고작 막 1년밖에 안 됐는데 지금 같은 팀의 서포터인 피카보 선수랑 엄청난 시너지를 보여주고 있습니다. 그 둘의 호흡에 대해서 좀 말씀해 주세요. 일단 피카보 선수가 들어왔을 당시에 그 전부터 조금 제가 잘해지고 있는 단계였고 피카보 선수가 오면서 더 많이 저한테 도움이 됐어요. 제가 원래 말을 많이 하는 스타일이었는데 말을 많이 하니까 게임 플레이에 집중을 못했었어요. 근데 피카보가 같이 말을 하면서 이제 제가 말할 거를 피카보가 조금 더 덜어주니까 그 상황에서 제가 실력을 더 많이 늘릴 수 있었던 것 같아요. When Peekaboo first joined our team, that was when I was at the verge of actually getting adopted to the jungle position. And before, I was the only one talking on our team, and that because of that, I couldn't really concentrate at the game. But when Peekaboo joined the team, we both divided that role of like talking and like giving orders. So that really helped me focus on my jungle role. And overall, I think we have a really good synergy together. Yeah, you guys did fantastic in this game as well. Now, this is dubbed by a lot of people as maybe one of the group of death. Yet, you won that first game convincingly versus TSM. Who do you think is making it out of the group?
이제 KT 롤스터 팀이 죽음의 조라 불리는 그룹 D에서 첫 승을 거두셨습니다. 마지막으로 그룹 D에서 웃게 될 두 팀은 누구라 생각되시나요? 일단 오늘 지면 당연히 저희는 가능성 없다고 생각했는데 이겼기 때문에 저희는 일단 무조건 올라갈 것 같고 다른 한 팀이 이제 제 생각에는 LGD라고 다들 많이 생각하시는데 오리겐이 될 거라고 생각해요. So if we lost our game today to TSM, I think it would be a very hard trip for us. But since we won, I would say KT is pretty safe going to the next round. And a lot of people say that LGD has upper hand, but I actually think that Origin has a very good chance, actually. Well, very interesting. We'll see them playing LGD versus OG right after this one as well. Thank you so much. Congratulations. And back to you guys over at the desk. Merci, Shox, pour cette petite interview. Du coup, effectivement, un Sunday plutôt confiant vu qu'il a réussi à battre TSM. Il a dit que LGD a priori serait qui serait apparemment dans aussi les grands favoris, mais qu'il ne fallait absolument pas sous-estimer Origen. Origen que l'on va pouvoir voir et bien finalement pour la prochaine game. Exactement, hein, qui vont jouer contre les LGD, tout simplement le numéro 1 seed chinois, donc une équipe attendue au tournant. Et voilà, c'est vrai que là de voir donc un joueur de KT qui dit que Origen n'est pas sous-estimé, c'est quand même très sympa pour l'Europe. On a vu H2K un peu plus tôt qui avait on va dire un petit peu tenu à SKT, notamment voilà, face à, avec cette synergie entre Lulex et Ryu face à Faker qui était plutôt intéressante. Là je pense que Origen a une carte à jouer, alors même si nous en pronostic on a tous mis que LGD allait gagner, on voulait pas trop se mouiller, mais on aimerait bien voir Origen gagner sous l'impulsion de Soaz évidemment, français ici, qui va peut-être être transcendé par le public, mais aussi de XPK, Nils aussi qu'on attend au tournant, hein, le prodige qui vient tout juste de Challenger, qui est arrivé au LCS, maintenant il est au World, c'est genre une ascension assez fulgurante pour lui, donc ouais, un match pour moi super intéressant. Ça, je suis entièrement d'accord avec toi, mais honnêtement, Origen, moi, quand je vois Katie Rolster jouer comme ça, je pense que les Origen qu'on a vu en grande finale des playoffs EU contre Fnatic et en Regional Qualifier après, je pense que Origen peut battre ses Katie en tout cas. Voilà, après, c'est toujours la même chose, il ne faut pas faire d'erreur, mais ce groupe D va vraiment être intéressant, je pense. Hein. Si TSM en plus est capable de gêner les équipes, honnêtement, sur une game comme ça où ils font pas cette erreur, ils peuvent peut-être prendre une game à une des autres teams. Il y a des choses intéressantes qui vont se passer, je pense vraiment. Et ouais, le match d'après LGD contre Origen avec l'arrivée de Soaz sur la scène ici au Dog Pullman. J'espère que vous l'encouragerez, bien entendu. On pourra peut-être créer des petits baguettes King. C'est l'avantage un peu de cette phase de poule où ce n'est pas un tournoi à élimination simple, c'est-à-dire un tournoi qui se joue en BO3, c'est-à-dire que sur un match aller, sur un match retour, la plus grande des équipes peut tomber face à la plus petite. Et un match gagné par TSM, un match perdu par Katy ou par LGD, bien ça peut bouleverser finalement l'ordre d'une poule. C'est pour ça que je pense que effectivement, à part LGD où tout le monde la voit vraiment complètement en domination, je pense que pour la deuxième place, tout est ouvert, même TSM. TSM a montré du bon. On a vu un Bjergsen au sommet de sa forme. Oui. Bjergsen a maltraité Nagné sur la phase de laning. Et c'était une ligne qui a été laissée parfaitement en autarcie. Les junglers et les supports n'ont pas vraiment pu l'approcher. Effectivement, mais là, c'est vrai que Bjergsen, on l'a vu. Hein, donc il a un V1, il a fait quand même pas mal de dégâts. À chaque fois, il donnait un peu de répit à TSM, hein, c'est ce qu'on disait. Genre, voilà, il mettait son combo, il mettait le Azir midlife, boum, le Azir backhead, du coup ça empêchait les KT de snowball pendant quelques secondes. Mais là on l'a vu, la seule fight au Nashor du coup qui était un peu décisive lorsque les TSM ont call le Nashor, Bjergsen n'a fait aucun dégât, il a mis je crois quelques dégâts sur le Alistar, il a raté sa chaîne, il est parti faire une distorsion un peu ailleurs, puis il a flash-in dans le Nashor, il est mort via le Nashor. Ouais, c'est ce que je disais. C'est la seule fois où en fait TSM a flanché, c'est la seule fois où Bjergsen n'a pas fait de dégâts. Alors que chez LGD, voilà, bon évidemment t'en parlais, c'est quand même la meilleure équipe de Chine, la meilleure équipe normalement de ce groupe là. On a Godvi qui a été classé numéro 3 par Riot comme les meilleurs joueurs de ce tournoi, Imp numéro 2 des meilleurs joueurs de ce tournoi, champion du monde du coup en saison 4 avec Samsung White. Voilà, c'est. Il faut pas oublier PYL. LGD TSM, il va être un petit peu déséquilibré plus tard. Je ne me souviens plus où est classé PYL, mais je pense qu'il est dans le classement des très bons joueurs. Mais effectivement, on a. Enfin, LGD, c'est considéré comme l'équipe ayant le plus de talent individuel, pas comme l'équipe ayant le meilleur teamfight comme EDG, pas comme la meilleure macro game ou la plus grande polyvalence comme SKT. C'est vraiment connu pour être l'équipe des génies. Et donc, ils vont affronter des Origen, alors qui ont des très très grands talents mécaniques. Mais maintenant, la question, c'est est-ce que ça va suffire pour venir remporter une victoire à domicile?
Honnêtement, il y a... Tout est possible. Tout est possible en BO1, mais je pense quand même que... LGD semble tenir la corde. Normalement, bon, on les a tous pronostiqués, mais voilà. Il faut voir un Soaz du côté d'Origène en état de grâce, peut-être un XPK sur un pick safe qui arrive à tenir le coup face à Godji. Et après en teamfight, Origène a toujours montré qu'ils étaient plutôt bons en mid game, en late game, et ils ont les nerfs solides, je trouve. C'est ça. Bah, j'allais rebondir. Exactement sur ça, c'est-à-dire que lorsqu'ils arrivent dans une situation où la game est un peu tendue, et ben c'est pas eux qui vont flancher. Alors en Europe surtout, généralement ils perdent quand, entre guillemets, ils perdent. C'est-à-dire que si leur league game n'est pas à leur faveur, ça se passe généralement pas très bien pour eux. Et du coup, ce sera après une courte page de publicité, tout de suite, Origène contre LGD.